Ok, c'est parti. Go. Du coup, BTC. Alors, un truc. Attaque. Ah ouais, donc, je le bon trader. Là, paf. Euh, ce que j'aime bien, moi, en ce moment, c'est euh, surtout dans. Alors, personnellement, du coup, où, où je me pose des questions, c'est prendre pas mal de, de, de hauteur par rapport à. Enfin, de hauteur pas mal de, re de recul par rapport à la courbe. À savoir, je me suis rajouté plein de. Hum... Euh, plein de time frame, vous voyez, parce que en fait ça, ça aide dans la lecture des, dans la lecture des bougies. Il y a un truc tout bête, c'est que j'utilise euh, une des choses que, que j'apprends dans la formation, mais qui, qui est assez connue de toute façon hein, le fameux, euh, les fameux Fibo. Regardez, si je prends, on va prendre le plus bas. Là, on est venu donc dans notre fameuse zone de rechargement. Donc, ça, c'est quand même pas mal, c'est qu'à chaque fois, cette zone, elle fait pas mal de taf, même si, évidemment, c'est une zone assez vague. Mais donc là, on est en plein dedans. Donc c'est assez intéressant quand on se place dans une échelle de temps. Donc là, je suis en quatre mois, je ne suis pas allé euh, au-delà, -au ça, ça suffit, quoi. Donc, là, on est en plein dedans. Donc, on commence à, à être dans des zones intéressantes. Mais euh, cette euh, là, euh, analyse simple comme ça, juste de tracer un fibo, évidemment, hein, ce n'est pas, pas suffisant. Et à savoir si euh, on va tracer dessous ou pas. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi Alors, on a déjà, si je repasse en weekly, vous avez vu là, par rapport à ceux qui ont vu la vidéo de lundi, on n'avait pas cette bougie-là. On a rebondi la trend line là, 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 là. Ce mur de liquidité qu'il y a là a super bien fait son taf. On a rebondi quasiment euh, chirurgicalement dessus. Et donc on se retrouve là, je ne sais pas si vous le voyez, avec un niveau assez intéressant, parce qu'on est en train d'accumuler sur ce, euh, ce niveau-là, regardez. Est-ce que... Alors attendez, ouais, je vais le mettre en... Voilà. Vous voyez ça là Regardez comme ça vient taper à chaque fois. Donc c'est des zones intéressantes à rader. Alors donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans cette continuité baissière, parce qu'encore une fois, là, moi, pour le moment, on est toujours dans une continuité baissière. Hein, si on remonte, euh, si on se met en échelle de temps euh, euh, deux semaines, hein, quelle est la tendance générale pour l'instant Eh bien, euh, on va dire, la, la smart monnaie se fait du pognon. Euh, sur les ventes d'accord elle joue la descente donc on est là comme ça et à chaque fois on imprime des plus bas je vais arrêter la flèche ici et à savoir maintenant où est-ce qu'on va aller là donc là on va on arrive sur ici là sur ce support qui est intéressant à savoir que il euh, y a quand même potentiellement de fortes chances qu'on on vienne mécher dans ces, dans ces eaux-là pour récupérer encore de la liquidité. Mais justement, est-ce qu'on va récupérer la liquidité pour pouvoir repartir encore dans un mouvement haussier ou alors pour aller plus bas La question que je me pose, c'est que ici, là, vous le voyez. C'est là que je fais appel au, au, brièvement parce que c'est que, quelque chose que je découvre, mais qui est intéressant donc au concept de la SMC, la Smart, les Smart Money Concepts, qui est une manière de lire les courbes. Eh bien, en fait, vous avez euh, à cet endroit-là que j'ai mis, euh, que vous allez voir. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. À chaque fois, c'est pas un hasard si euh, le, le prix travaille sur des zones clés. En fait, euh, là. Le but, évidemment, c'est de, de refermer les ordres qui étaient en négatif. Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que j'entends par cela Imaginons que, euh, donc, on se met dans... On sait que le, le, le trading, c'est un jeu à somme, à, à somme nulle. Hein, et le but, si on se place d'un point de vue de ces, de ces smart money concepts, c'est de savoir qu'on eh ne peut pas aller toujours dans la même direction. D'accord On ne peut pas aller... Par exemple, si la smart Money veut acheter, veut enfin, faire des profits par exemple sur la descente, d'accord, elle ne peut pas tirer d'un seul trait comme ça tout le marché vers le bas. Il faut qu'à chaque fois, il y ait des prises de liquidité pour qu'elle puisse à chaque fois racheter la descente. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ces mouvements-là de descente, si j'exagère, je, si je vais en faire juste deux, ça va se traduire. Alors attendez, je vais... Pour ne pas vous, vous embrouiller, je vais le faire sur un, un petit tableau noir vite fait, comme ça. Sur un mouvement de descente comme ça. Eh bien, j'exagère, je fais vraiment un truc basique, mais juste pour vous, pour vous, pour vous appréhender le, le, le concept de base, ça va se faire avec un mouvement comme ça, d'accord Et là, du coup, sur cette. Euh, je vais la mettre d'une couleur différente. Je peux ou pas d'ailleurs Je peux pas Si je peux. Voilà, on va la mettre en rouge. Voilà. Sur ce mouvement-là, et en fait, eh bien, ici, toute cette partie-là, là, là eh bien, la, la, la smart money, elle est, elle est perdante. Pourquoi Parce que, pour rappel, elle, ce qu'elle joue, c'est le moment de la descente. D'accord Donc, elle gagne de l'argent dans cette descente. Mais tous ces mouvements qui vont à l'inverse de la tendance générale, elle est perdante. Et donc, pour ne pas être perdante, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, à un moment donné, il va falloir à chaque fois qu'elle revienne. Donc là, je vais retracer une nouvelle flèche. Il va falloir qu'elle revienne travailler. Je vais arrêter la flèche là. Qu'elle revienne travailler sur cette zone-là pour fermer ses positions. D'accord Et. Continuer à imprimer de nouveau plus bas. Juste déjà ça, est-ce que ça va Ce concept de euh, refermer les ordres qui étaient euh, ouverts en attente. Est-ce que c'est bon pour vous Je regarde. Euh... Ça serait mieux si je mettais. Là, l'idée, c'est vraiment juste de refermer euh, les ordres. C'est pas genre des espèces de trappes ou des trucs comme ça. Non, vraiment là, comme ça, non. globalement, simplement, l'idée, c'est de refermer ces ordres, hein. ok Parce que là. Évidemment, elle referme pas, le but, ça ne va pas refermer à chaque fois à 100%, mais le but c'est de refermer un maximum ces ordres qui étaient, euh, qui étaient perdants. Et évidemment, quand ça part dans l'autre sens, à enfin, chaque fois c'est la même chose. On vient toujours refermer les ordres. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça Je vais effacer tout ça. Euh, pas vu, je suis allé trop vite du coup, j'ai pas vu si c'était bon pour vous, je ne vois pas de commentaires. Là, on parle d'un concept, mais je vais, après, on va, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne sur le BTC. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a juste ce concept-là avec de trucs qu'on peut trader et tout. Encore une fois, c'est pas ça. Mais c'est juste pour vous expliquer là ma, ma vision euh, sans y passer trois heures de ce qui m'intrigue sur les niveaux euh, plus bas. Bon, ça t'apporte ouais, là. Euh, du coup, eh bien, en fait, à chaque fois, là, moi, ce qui m'interpelle, eh c'est ça. C'est que ici, donc déjà on est venu travailler sur ces zones. On est revenu là, c'est ce que je vous ai dessiné en violet. À chaque fois toutes les zones où il y a eu de la consolidation, souvent on vient retravailler dedans. Regardez, il y en a ici, on est revenu bosser là, d'accord. Il y en avait ici, on est revenu là. Il y en avait ici, on est venu ici. Il y en avait là, on a pris la liquidité, on est venu en dessous. À chaque fois, à chaque fois il se passe à peu près ces mêmes mouvements. Et moi, exactement les détails qui m'interpellent. Ça s'appelle de l'imbalance, c'est les creux que vous avez entre les mouvements. Et ici, là, et bien regardez tout ça là. Et particulièrement ici. Et d'ailleurs, il y en a encore. Je ne l'ai pas dessiné, mais euh, il y en a là où en fait aussi. Ça, ça en est. D'accord, et je vais vous mettre en... Euh, voilà. Tout ça, là, c'est des ordres qui sont encore ouverts et qui n'ont pas, euh, pas été refermés. Donc, la question que je me pose, et je toujours pas de boulistral, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que si jamais... Vu qu'on est en train de travailler cette zone-là, si jamais on passe à travers, il y a de très fortes chances pour qu'on vienne mécher, d'accord, là-dedans, pour pouvoir refermer ces vieux ordres-là qui datent, qui datent de novembre 2020, d'accord Ça, c'est le scénario, euh, pour moi, le, le plus baissier possible. Et c'est pour ça que je garde ça en tête, parce qu'évidemment, si ce scénario se valide, bah, vous dites bien que... que, que potentiellement mettre des ordres euh, des ordres ici euh, à l'entrée ça peut être intéressant mais encore une fois je dis pas je dis pas que c'est ce qui va se passer d'accord là pour le moment on est venu bosser vous voyez là toute cette zone là qui N'étaient pas refermé là tous ces ordres en positif, hop là pareil, on est revenu les refermer et en fait c'est constamment cette histoire de et vous pouvez le faire dans n'importe quel timeframe frame et là je me suis mis en, en, en weekly. Mais en fait, si vous allez en une heure, en 4 heures et en 12 heures en lien avec la fractalité du marché, et c'est ça qui est génial dans ces concepts, c'est que c'est toujours ça, cette histoire de fermer et refermer les ordres et de repérer les zones, les points d'intérêt, les localisations. Ce que j'appelle ça comme ça, souvent la localisation, souvent euh, les donc ces localisations là intéressantes pour pouvoir se positionner le plus intelligemment. Possible pour pouvoir jouer la montée, donc c'est ce que là ça met en lien avec ce que j'ai dans la formation, à savoir être au bon endroit et jouer le bon mouvement, d'accord. Euh, ça, c'est pour le scénario baissier, le scénario haussier. Et c'est est-ce que c'est bon pour tout le monde là Ça va Je pompe pas ouais, tout le monde avec ça chose. là, ouais. J'essaie de faire euh, le plus simple possible. Encore une fois, c'est moi, c'est quelque chose sur lequel je. Euh, je suis en train de m'intéresser, euh, d'accord Je ne suis, suis pas du tout... Euh, ça ira sûrement mieux dans six mois, mais voilà. Je tenais à vous le partager parce que c'est quand même franchement intéressant. Donc j'essaie de le faire euh, le plus pédagogiquement possible et le plus court possible avec un exemple euh, simple et, et, et basique, là, euh, que je vous ai montré en faisant un peu de, un, un peu de tableau noir. L'autre point de vue, euh, pour le scénario qui serait plutôt euh, haussier, donc là on va aller... Où est-ce qu'on peut le voir Eh bien c'est tout. Euh, là, ici là. Voilà, là, pareil. Regardez tout. Tout ce niveau qu'il y a là. Là, il y a beaucoup de liquidité à prendre. Donc si ça part vers le haut, encore une fois, il y a de très fortes chances qu'on transperce tout ça. Parce que là, il n'y a rien là. Ici, c'est vide. là. Et là, il n'y a que dalle là. Et là, il n'y a que dalle. Et d'ailleurs, si je mets. Euh, si je vous mets le, le volume profile. Alors, on va fermer euh, tout ça. Si je vous mets le creux qu'il y a là, ici, voilà. Là, il n'y a pas de l'aise. Donc, si ça passe à travers, on va sûrement revenir taper sur les anciens plus hauts pour pouvoir garder. Parce que ça, ça n'engage ça, ça que moi c'est que le billet général, pour moi, il est toujours baissier. Donc, quoi qu'il arrive, euh, on, fait, on va faire des, des nouveaux plus bas jusqu'à ce que j'estime qu'on que, qu ne se retourne pas. Mais pour le moment, euh, j'estime qu'on continue à faire des nouveaux plus bas, mais ça n'empêche pas, ça dépend. Euh, faut, faut penser fractalité du marché et la time frame dans laquelle on est, mais ça n'empêche pas là que euh, en daily ou même allez on va mettre en trois jours pour, pour avoir moins de, de bruit sur la courbe, d'accord. Enfin, ça n'empêche pas, d'accord, qu'on fasse, ah, attendez, en blanc, je vais vous mettre en, en blanc, en blanc, en blanc, en blanc, euh, là, qu'on fasse, voilà, qu'on ait ces mouvements là, ici, ici, ici ici et qu'après d'un coup hop on vient de chasser un petit peu là et qu'on reparte ok vous voyez l'idée parce qu'encore une fois je garde ouais. moi je garde un, un biais et je peux me tromper hein, mais je, je garde encore un biais baissier euh, et peut-être que je me trompe hein. je garde un biais baissier mais évidemment si le biais est encore baissier il va falloir peut-être aller récupérer de la liquidité un peu euh, au nord pour continuer à injecter plus bas ça, c'est la question, euh, voilà. Et sachant que quand je dis le plus bas, pour moi, c'est que si ça ne tient pas, eh bien, on part. On part euh, si tout ça là, ça ne tient pas, on part dessous. D'accord les, les niveaux, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre plusieurs, plusieurs euh, time frame comme ça. Parce que du coup, euh, quand vous prenez un petit peu de hauteur dans les grosses timeframes, eh vous allez les voir. Je force un peu le trait. Et je repasse pour vous faire une vision claire. Je force un peu le trait. Là, c'est pas très clair. Là, on ne voit pas, là. Vous voyez, dans cette descente-là, ok, on voit une descente, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on affine un petit peu sa lecture. Ok, là, on commence à avoir deux petites mèches, ici. Je descends en time frame. Ah, voilà, là, je commence à avoir quatre mèches en cinq jours. Ah, bah là, ça commence franchement à être un niveau intéressant. Et là, là, on le voit franchement. Là, on voit ici, clairement, il y a quelque chose, là. Tous ces ordres, ici. Donc, encore une fois, c'est pas parce que, là, il y a tous ces... Ce, ce support ici, enfin résistance du coup, parce qu'on va arriver par rapport en dessous, que on va y aller. Autant, juste, on va encore chasser un petit peu de la liquidité là, puis repartir vers le bas. Mais en tout cas, moi, c'est un scénario sur lequel j'ai tendance à attendre depuis, euh, bah, depuis deux semaines, sachant que au-delà de ce niveau-là, vous avez le même au-dessus. Alors, on va le voir euh, peut-être en, ouais, il est plus en weekly. Attendez, c'est où qu'on le voit bien Non. En trois jours, ouais, ici là, bon, tout ce, tout ce bloc, là, là, tout ce bloc ici. Parce qu'encore une fois, la, la, la logique, c'est de, à chaque fois, revenir, euh, refermer tous les ordres qui, tous les ordres qui sont, euh, qui sont perdants, à savoir les ordres, euh, les ordres en positif, voilà. Euh, j'espère que c'est clair je sais que c'est peut-être pas évident euh, je vais basculer maintenant sur euh, voilà là je vous ai donné mes, 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 scénari mes, mes deux scénarios un peu pour, pour, la, faire, pour la faire courte hein, sur lesquels j'ai je, je, tendance à, à pencher euh, là en tout cas quand on vous voyez à chaque fois quand on latéralise comme ça il faut enfin euh, là, là au bout d'un moment il va se passer un mouvement parce que regardez là quand vous avez ces petits blocs-là, derrière, derrière, hop, il y a un mouvement. D'accord Et là, quand même, depuis une sacré paquet de temps, parce que là, depuis le 15 juin, mine de rien, regardez, là, il y a toute cette phase d'accumulation de, 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 et de manipulation. Et donc, derrière, là, à chaque fois, on rentre, que ce soit nous ou, ou ceux qui. Euh, comment dire On va dire. Pas les retail, mais. Euh, ni la smart money, je sais pas comment on pourrait le nommer, là. Pour piéger tout le monde en fait, pour piéger de la liquidité avec des mouvements comme ça euh, à la hausse ou à la baisse. Donc pour moi là, quand je vois ça, d'une manière euh, pas micro mais macro en prenant de la hauteur, je m'attends à un mouvement de liquidité pour enchaîner sur un nouveau mouvement. D'accord On peut le voir euh, si je fais. Euh, ben là, vous, vous l'avez là aussi. Euh, alors. Ici, on, à petite échelle, on le voit là, donc je prends un petit peu d'auteur, regardez, on la voit là. Ici, on accumule, paf, il y a un mouvement. Pareil ici. Ici et derrière, il y a un mouvement. Là, pareil, on est resté là, il y a eu un mouvement, etc. etc. Donc là, une fois sorti de ce, ce que souvent j'appelais d'ailleurs, dans mes, dans mes vidéos, j'appelais le euh, range, parce que dans une échelle de temps, il ne faut pas l'oublier, dans une échelle de temps... Là, même en 5 jours ou même en weekly, je me rappelle souvent, là, tout ce qui se passe là-dedans, là, tout ce qui se passe là-dedans, dans cette échelle de temps-là, c'est de la manipulation. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que si euh, vous voulez placer vos trades euh, à l'intérieur euh, de cette échelle de temps weekly, il faut aller bien, bien, bien dans les petites time frames pour pouvoir euh, voir dans les, euh, dans les mèches ce qui se joue. Parce que là, clairement, en weekly, même en 5 jours, tout ça, c'est de la manipulation, là. D'accord On a un plus haut, un plus bas, tant qu'on ne casse pas par le nord ou par le sud, pour moi là-dedans là, là c'est de, de la manipulation. Ça normalement vous êtes plus à l'aise parce que souvent j'en parle à chaque fois. Vous vous rappelez, je vous passe, je vous plaçais les, euh, les euh, voilà, bou, boules et, euh, et à chaque fois les limites bire. Ok Bon bah là pour moi c'est le cas. C'est ici. Hop Voilà, ça serait là quoi. Ici et ici. D'accord Dans, et je parle bien, dans ces échelles de temps là, hein, ok est-ce que c'est toujours bon Petite question yes. euh, du coup sur le, le concept là de SMC là. Du mmh. coup, est-ce qu'on est, est qu peut coupler ça du coup à la lecture des, des M et des W justement pour Alors c'est mmh, pas. pas. C'est deux. Oui, en fait, c'est soit tu fais l'un, soit es, tu fais l'autre. Ou en tout cas, tu, tu fais les deux pour donner un avis plus global. Mais... Pas, ben alors, pour le coup, les M et les W, ça ne sera, plus... sera pas assez précis par rapport à ça. Ça manquera de précision parce qu'en fait, le, le M et le, la lecture des M et W vont te, vont te donner une, euh, une direction générale, la tendance du marché. D'accord Mais pas clairement la lecture, euh, la, la, la lecture justement, des, des order blocks, de l'inbalance, euh, etc. Donc c'est pas, pas particulièrement en lien. Et d'ailleurs, tu en as vu, ai, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que là, Ouais, c'est pas complémentaire. Ouais, bah, c'est pour ça que je te pose la question ouais. justement. Je, je me disais, tiens, c'est marrant, on parle pas du tout. Donc, est-ce que, ouais. Par contre, ce qui est complémentaire, que ai pas besoin ou c'est parce que ça. Par contre, ce qui est complémentaire, c'est euh, moi, je trouve, c'est clair. Ben, après le le MACD, voilà. Si vous, là, j'en parle pas parce que du coup, je me fie. Euh, sur les zones de localisation avec donc ces zones-là que je disais qui m'intéressent, les order blocks, Mais après, on peut toujours le coupler, évidemment, avec un classique MACD. Voilà. Voilà, ici. Hop. Le MACD qui fait son taf ou le RSI, ça c'est comme, comme vous voulez. Donc pour rappel, le, le MACD et le RSI qui sont des, des momentums de prix qui vous indiquent un peu la, la force. Euh, euh, la, force dans le, la force du prix et qui va peut-être vous montrer des divergences ou des convergences avec le prix. Généralement, quand on voit par exemple euh, ici, on, voyait, on voit exemple, ben voilà, un rapide exemple, on a le prix, d'accord, qui est haussier, principe de M et de W, on fait des sommets et creux ascendants à chaque fois, alors que, regardez, bon, Momentum de prix, lui, qu'est-ce qu'il y a Il baisse. Donc, ça veut dire que cette montée-là, je parle localement, cette, cette grimpette-là, eh elle, elle risque de ne pas tenir parce que derrière, en fait, le, le MACD ou le RSI, je ne regarde pas le RSI, mais voilà, nous dit que ça ne tient pas. On n'est pas, euh, pas dans une convergence haussière, on est dans une divergence baissière. Donc, qu'est-ce qui se passe après derrière Perte de momentum et perte du prix, ok Ça, généralement, vous avez plus l'habitude parce que c'est les choses que, que je vous dis euh, euh, usuellement. Ça, c'est bon ou pas Yes, ok. okay. Euh, du coup, si on met en lien, on revient sur les, un peu les, 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 les classiques. Quand je regarde, alors du coup, on va se fixer sur le on va se fixer sur le 4h, 1h, pour l'instant les momentums sont pas fous. Pour l'instant, les momentums sont pas fous. Donc ça, c'est un, un point qui est divergent avec euh, mon scénario qui est de venir chasser euh, la liquidité. Ici. Donc de venir chasser au, à défaut cette liquidité là ou là parce que là pour l'instant en momentum il euh, y en a pas euh, voilà il y en a pas sous la pédale voilà donc euh, on a euh, et autre et le volume profile oui et le volume profile aussi voilà regardez parce qu'on ai pas parlé mais là en dessous là si jamais encore une fois on casse ça il y a quand même il y a du creux ici et le business là. Donc vous avez vraiment les deux zones, euh, les deux zones et, et sur le coup, moi je suis encore, euh, ouais, je suis encore hésitant à savoir dans quelle direction, dans cette, quelle direction ça va prendre. Est-ce que, est-ce qu'on continue à être baissier et on suit notre line ou alors comme ils tout à l'heure, on va chasser et on repart pour faire des plus bas. Voilà, un peu mon, mon avis sur le sur le BTC avec toujours ces zones là, là qui m'intriguent voilà, parce que c'est des ordres qui sont pas refermés et tout ça c'est en attente. Si... Mais du coup euh, mmh. pour toi dans les deux cas, ça va finir par le bas en fait euh, là dans tes deux scénarios en fait oui soit oui oui ah oui parce petit que pic pour repartir toujours plus bas soit ça continue à aller toujours plus bas dans les deux cas. Ouais parce que comme je disais euh, tout à l'heure, quel est mon biais général Là pour le moment, moi je suis baissier là. Moi je suis baissier. Quand je vois ça, euh, on continue, on est toujours dans une, dans une continuation baissière. Voilà. Si jamais on arrive à remonter, une fois qu'on sera, euh, pour moi, une fois que, alors si on casse ça, euh, je sais pas si vous voyez ou pas là, c'est bon parce qu'il y a pas mal. Attendez, je vais vous mettre là. Voilà. Déjà, si on casse ça. Et si on vient bosser là-dessus, je vais mettre en weekly, voilà, quand on sera là, je me poserai la question, d'accord À savoir, est-ce que pour moi, on va repartir vers le bas, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça reste dans mon biais général, mais d'ici là, peut-être que le biais aura changé, d'accord Quand je parle de biais général, je parle du biais sur la plus haute time frame, parce que c'est toujours la plus haute time frame qui fait le, qui fait le taf, d'accord et quand on se pose des questions sur, euh, sur le biais, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, tu peux me dire, euh, moi je suis haussier, ok, mais tu es aussi en quoi en daily Ouais, il n'y a pas de problème, peut-être qu'on est aussi en daily, hein. peut-être qu'on fait ça, hein. on est en train de taper un. Peut-être qu'on est ça. Donc ça, c'est aussi en daily, mais on est toujours dans cette manipulation en échelle de temps weekly, là-dedans. D'accord Ça n'empêche pas d'être aussi en daily, et donc si tu veux jouer des moves en daily, tu peux. Mais tant qu'on n'est pas, pas sorti de ces niveaux-là, dans l'échelle de temps que vous analysez, donc là je vous mets le weekly, moi je reste dans mon biais général, qui est celui-là. Ok Est-ce que c'est est -ce est clair comme ça Fractalité du marché, ça dépend des time frames dans lesquels vous vous placez. Sachant que la time frame supérieure est toujours la plus forte, parce qu'il ne faut pas oublier, pour pas se planter de sens, D'accord il ne faut pas oublier quel est le biais général. Évidemment, à un moment donné. Je, 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 Peut-être tu vas, tu vas y venir, mais je, à un moment donné, forcément, ça ne peut pas faire ça. Pendant 300 ans, d'accord À un moment donné, ça va se... Merde À un moment donné, forcément, oui, ça va se retourner, quoi. D'accord Sur le biais général qui est mon baissier. D'accord À un moment donné, ça va se retourner, d'accord Là, vu ce qu'on a... Euh, est, pourquoi est-ce que c'est une zone importante Et pourquoi... Euh, moi, j'ai du mal à... J'ai un avis, mais c'est vrai que c'est n'est quand même pas évident, parce qu'on a quand même sacrément retracé, d'accord on est dans la zone de rechargement comme je le montrais tout à l'heure. Il y a quelques ordres ici qui sont pas fermés, mais ils seront peut-être par fermés. Et peut-être peut que l'autre scénario, c'est euh, je me trompe. Et dans ce cas-là, ici, là, on a euh, localement, enfin, on a notre bottom et puis on va repartir sur un mouvement euh, sur un biais haussier. Mais là, pour le moment, de ce que j'ai sous les yeux, moi, je euh, suis pas, ouais, j'y crois, j'y crois pas trop. Je parle encore une fois, je précise dans cette échelle de temps là, d'accord Si on se met en daily comme je dessinais là, c'est un scénario qui est possible et en ce cas-là en daily, est-ce qu'on sera aussi oui, mais en daily. OK, c'est bon, j'ai pas je vous ai pas paumé. Moi, c'est bon en tout cas. Ouais. Si vous, si ces concepts-là vous intéressent, là, ben, vous, ouais, aller sur, euh, aller sur YouTube, hein, c'est SMC. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Moi, j'ai découvert au bout, la, au bout de la troisième semaine que j'étais donc euh, tout ce qui est vous tapez euh, supply, euh, supply and demand, les order blocks, les imbalances, tout ça. En fait, c'est des concepts euh, SMC. Voilà, ça s'appelle les concepts de la SMC. Euh, forcément il y a des vidéos YouTube qui vont traiter dessus donc euh, si vous la regardez et c'est assez intéressant parce que du coup euh, ça donne une, une vision différente et moi ben, par exemple sans cette vision là je me serais pas posé la question de tous ces mouvements là et d'ailleurs regardez un truc c'est con hein, mais quand on est regardez ici là donc euh, occulté Alors, attendez je vais vous faire un petit truc pourquoi est-ce que c'est intéressant on va faire ça Regardez là, ici, ah ça marche pas. Là, ici, là, pareil, hop. Ici, il y avait de l'imbalance. Qu'est-ce qu'on est venu faire Pfft. On est venu le refermer. Moi, si j'avais su ces concepts quand on était à peu près à ce moment-là, d'accord, après que ici on soit fait piéger, prise de liquidité, on continue le mouvement haussier, j'aurais dit putain, il y a encore, il y a de fortes chances qu'on vienne refermer ces ordres là ici, parce qu'en plus il y a de l'imbalance. Okay. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est l'imbalance YouTube vous tapez order block imbalance vous allez trouver euh, 10 vidéos et en 20 minutes déjà ça ira mieux encore une fois c'est pas parce qu'on regarde ça que vous allez pouvoir vous positionner et trader mais je dis juste que c'est extrêmement intéressant pour euh, changer sa manière de, de voir le marché et de se localiser pour positionner ses trades. Okay. Euh, Est-ce que je ferai pas un peu le ménage là ouais. On va virer tout ça, je vais virer tout ça, on va virer ça. Allez, dégage-moi tout ça. Là, là, là. Là, je voudrais pas tout virer parce que sinon... Ouais c'est quoi que... Ouais, c'est pas grave, allez, je dégage tout. Ouais, ça dégage. Est-ce que... Est-ce que vous avez des questions du coup Pas de question. Est-ce qu'il euh, y a des choses à dire sur euh, sur le TH du coup euh, Alors les terres euh, la question elle est euh, encore plus pénible, <laughs> encore plus relou parce qu'en fait on a méché juste avec cette là là voilà. Donc pareil, même concept. Alors là c'était peut-être en deux semaines que je l'ai vu. Ouais elle est là. Voilà. Donc, les c'est les creux qui entrent entre deux mains. Vous prenez trois mèches quand, y a des, quand ça pas, quand le prix n'est pas venu refermer. Ça, c'est l'inbalance. Donc, je vous le dessine. Euh, voilà. Par exemple, ici, là, si j'en avais eu une mèche. Ah, je vais, putain, je vais galérer à la dessiner. Si on avait eu une mèche qui descend là, il n'y aurait pas eu d'inbalance. Ok Parce qu'on serait refermé. Mais là, en fait, vous avez un creux. Comme un gap, voilà. Imaginez quand on parlait de gap sur le CME, voilà, prenez, prenez ça en tête, le gap. Sauf que là, on en a un. Et on est venu à peine. Alors, on est venu à peine taper dedans ici. Donc, est-ce que ça va être suffisant Ou pas C'est une question que je me pose. Et je n'ai pas de réponse. Là, pour le coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh. On a eu une belle, une belle réponse sur ce, sur ce, sur ce niveau-là, d'accord Donc maintenant, euh, les niveaux que je surveillerai, moi, c'est à savoir, je vais... Donc là, on reprend un peu, bah, tu me disais les concepts de... de bah, tout simplement de M et de W, d'accord À savoir, moi, je veux que on continue à faire des creux et sommets ascendants. Donc là, moi, je surveille ça. D'accord on, on, on est reparti dans une petite dynamique. Euh, dans une petite dynamique euh, boule ici, d'accord Si on va dans les timeframes inférieurs, là on repasse beer, donc il faut que ça, ça tienne ici, là. D'accord Il faut que ça, ça tienne. Que ça continue à faire, si ça fait ça. Même, euh, même analyse que le, que, le, que le BTC, il va falloir qu'on casse tous ces supports, donc ce bloc-là, et ensuite tout ce bloc-là, que je vais vous montrer, qui sera plus visible voilà, ce... Ouais, ça remonte tout au Le problème c'est que là il y a tout ça, il y a tout ça à défendre, donc ça fait remonter ici. Ça fait remonter... Merde. Hop là. Euh... Comment je peux le mettre en. Pff... Pair, voilà. Ça fait revenir sur ce, tout ce morceau-là là. Merde, j'arrive pas à le mettre. Tout ce morceau ici là. Donc vu les Alors, En fait, c'est vu les violents mouvements qu'il y a eu. Euh, je me répète, mais en fait, quand vous avez... Là, ici, le haut, il est là, d'accord Donc ça, attendez, comme ça vous allez voir mieux. Voilà, ici, boule et là, berre, d'accord Dans cette unité de temps-là. Et c'est le problème c'est qu'en weekly, bah c'est pareil. Et si j'ai ça en 5 jours, c'est quasiment pareil. Si j'ai ça en 3 jours... Pff. Ouais, on, pour, on pourrait se poser la question d'ici, là. Voilà. On pourrait se poser la question là, parce qu'il y a quand même pas mal d'ordres. Donc, on pourrait mettre un niveau intermédiaire ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est-à-dire qu'encore une fois, là-dedans, là, tout ce qu'il y a là, manipulation. Tout ce qui se passe là-dedans, là, là c'est de la manipulation. Tant qu'on casse pas un niveau par le nord ou par le sud. Ok Ok. Euh, alors évidemment pour le TH, oui, j'ai oublié de vous dire, mais évidemment il y a la partie fondamentale. Je ne sais pas ce que ça va donner le fait que c'est en train de passer, euh, euh, qu'on est au proof of stake là, parce que que euh, il reste plein de blocs, je crois. Je sais pas où ça en est en termes de pourcentage, mais euh, ça se fait progressivement. Non, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais le changement là. Ils ont commencé, c'est ça enfin, je... chez ceux qui sont au point au clair là-dessus là. J'ai pas tout, tout compris, mais en fait, pour moi, ils ont fait, euh, ils ont fait la bascule. Mais en fait, pour moi, il y a une espèce de, de dédoublement là, du, du réseau. Il y a une partie qui est en. Ils, ils ont en les DOS deux pour le moment. Ils ne font pas en tout d'un en... coup. Ouais. Ils n'ont pas fait l'interrupteur, ils n'ont pas fait zéro. Non, ce une... n'est pas, pas, pas une histoire de tout d'un coup ou pas fait, mais je crois qu'il y a une divergence à un moment. Et du coup, il y a, chez les, les réseaux, ils sont, ils sont partis. Euh, il y a une partie qui va rester en. En, en pot apparemment. D'accord. Okay. Et je suis après je suis pas sûr de ce que je dis parce que j'ai franchement c'est j'ai pas tout tout compris encore euh, sur sur le merge là. D'accord. Ok. Là ici ouais. Euh... Mais, mais voilà de ce que j'avais compris c'est qu'il y, y en avait bah, du coup que ça arrange pas en fait que passe en steak Mmh, et, euh, et du coup, il euh, y, y aurait une divergence et du coup, il y aurait une partie, le réseau en, en, en preuve de travail, euh, bah, il continuerait d'exister en fait. D'accord. Ok. Euh, là, moi, sinon plus localement, mon point de vue pour le, pour le TH, c'est que, on, euh, en fait, vulgairement, on fasse, euh, voilà, ça, ça, ça et qu'on revienne là-dedans là. À minima, déjà qu'on revienne un petit peu sur ces ordres là. A voir si on va descendre plus bas pour, pour casser encore rechercher de la liquidité là en dessous et est-ce que eh ben est-ce qu'on va venir clôturer fermer avec une bougie plus profonde là dedans ou est-ce que c'est là ça suffit cette petite mèche là qui est venue taper là ça je sais pas mais en tout cas là la, la, la manière dont la, 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 la comment dire je, je perds mes mots euh, la manière dont se dessine la courbe là dans les unités de temps Inférieur. Là, on est bien parti pour euh, redescendre sur ces niveaux là en dessous, là, d'accord Parce que là, on était boule et là, on est passé berle, là. Voilà. Encore une fois, ça dépend de, de votre manière de, de trader, là. Ça, ça dépend. Ça dépend de votre trader. Il y en a très bien qui peuvent dire, bon, mais j'attends la descente. Je sais qu'ici, j'ai une zone intéressante, d'accord, et je vais me placer en longue pour venir euh, rechercher peut-être ces niveaux-là parce que je sais que encore une fois ici il y a des choses intéressantes qui se passent ça c'est les concepts de supply and demand encore une fois regardez si ça vous intéresse sur youtube d'accord donc vous regardez order block in balance et supply and demand et euh, vous en serez un peu plus euh, et puis après le classique et puis après je c'est con mais ça, ça fonctionne aussi avec le classique c'est vrai que j'en ai pas parlé mais de voilà hop merde un bon un bon FIBO des familles hein. voilà on a passé on a cassé le premier arrêt on arrive sur euh, les 05 et là on a localement hop notre petite zone euh, notre petite RLZ qui est ici voilà n'oubliez pas le fibo c'est vrai que je le dessine pas je le FIBO mais voilà pour ceux qui sont les plus euh elle est plus débutant, ça vous donne un indicateur géométrique, graphique, euh, assez mécanique et robotique, mais qui n'est pas déconnant et qui à chaque fois montre que euh, c'est des zones toujours intéressantes dans lesquelles on vient travailler, comme je montrais pour le BTC au début. Euh, à une, euh, dans une grosse échelle, une grosse échelle de temps, on est venu retracer euh, tous les mouvements euh, précédents. Voilà. Conclusion sur le TH et le BTC, beaucoup de manipulations beaucoup 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 de manipulation clairement voilà, beaucoup de manipulation là. tout ça ça manipule Ether, là ça manipule donc euh, ça va partir dans un sens ou dans l'autre à un moment donné parce que qu'est ce qui se passe là-dedans on laisse quand vous avez quand on est là-dedans et eh bien on laisse tous les retails se placer on laisse les gens allez y, -y rentrer positionnez, positionnez vous positionnez vous positionnez vous et bam on sort tout le monde on récupère la liquidité et on se barre au nord ou au sud Et donc, l'idéal, c'est justement, quand, euh, avec ces concepts-là, c'est de faire, essayer de faire comme un smart money et du coup, de pas se faire avoir comme un, comme un Google et d'essayer de les suivre et de, de choper justement ces points d'entrée au niveau de ces zones de liquidation. Donc, je me répète, je respecte mon biais, c'est-à-dire ça, partir dans le bon sens et essayer de se placer sur des localisations intéressantes. Et donc, les concepts de la SMC, ça rajoute une corde à votre arc pour trouver des localisations intéressantes. Au-delà. Euh au-delà des supports, des résistances, euh, de Ishimoku, euh, des vagues d'Eliott, enfin voilà, tous ces, tous ces, tous ces trucs qui vous, donnent des, des, qui vous donnent à chaque fois des localisations, suivant la, 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 le concept utilisé. Euh, je trouve que le concept, le, les SMC sont pas mal, parce qu'en fait, on est sur une, une lecture assez brute et nue de la courbe, en fait, juste en faisant ces lectures comme ça, pas plus. Et je trouve ça assez intéressant. Donc, euh, on verra dans quelques mois si c'est si vraiment pertinent ou pas. En tout cas, moi, je bosse dessus, et voilà. Je vous ai donné les tuyaux si vous voulez aller chercher un petit peu de, de votre côté. Voilà, voilà. Euh, J'ai rien de plus à dire, les gars. Mmh. On voulait qu'on regarde. Ah oui, on regarde un couleur flow. Pour savoir un peu quelle est la tendance, si ça short, si ça longue. Euh... Yes, vas-y. On va regarder un petit peu. Alors, comment ça se place Oui, euh, weekly. Il est où le ratio merde, il m'a Ok, on repasse en faveur des longues. Ouais, t'es bien en faveur. Ouais, donc ça avait pas... Là, bien les longues ici, ici. Ok, bon. Euh... Ça avait cross pas mal. On a fait un petit tour ici, la Rapidos, en faveur des shorts. Mais d'une manière générale... Alors c'est con, c'est que pourquoi le weekly ne marche pas Ça m'a fait ça. Alors qu'est-ce qui raconte l'OP Interest qui monte Donc là, ouverture de contrat en longue et en short, ça ça y va, c'est sûr. Donc ça joue toujours sur les, sur les contrats futurs en levier et qui dit beaucoup de, Un open Interest important. C'est-à-dire qu'on rentre en contrat en levier en, en longue et en short et, et qui dit longue et short dit forcément euh, accumulation des liquidations sur les ordres stop que chacun place et donc dit mouvement réactionnel pour pouvoir liquider ces mouvements donc là je vais pas à me répéter encore une fois mais sur tous les euh, sur tous les zones clés comme ça vous avez des zones de liquidation et là on est reparti en faveur des longs tout doucement ouais donc ça ça rajoute une pièce sur mon sur le fait que mon scénario euh, à court terme légèrement haussier, ça y met un grain de sable euh, à voir à voir autant on va continuer à on va rester dans ce range-là, là, dans, cette, dans cette fourchette de prix. Là, ici. Elle continuer à manipuler, à accumuler de la liquidité pour que le, la smart money puisse faire ses, ses moves. Hein. Voilà. Pas évident, pas évident là. Euh, entre, entre ça et, et la position générale où on est après avoir retracé tout ça. Ouais, c'est pas, pas évident. En tout cas, ça coûte rien. D'une manière générale, pour euh, voilà, en mode safe. Évidemment, ça ne coûte rien de. Moi, je ne l'ai pas encore fait pour le coup, c'est vrai. Euh, ça ne pla... coûte rien de placer un ordre d'achat euh, sur les zones euh, un peu euh, qui, sont, euh, qui sont à la cave là, vers les 14-15 000, euh, parce que vous estimez que ce sont des, des localisations intéressantes. Parce qu'on n'est jamais à, à l'abri d'une mèche, euh, mèche des enfers. Regardez hein, si on se place en. On en a euh, des, des mèches. De... Alors là, si on se place peut-être en, en daily, mais pour vous rafraîchir la mémoire, regardez des mèches. Des gros mouvements, on en a régulièrement, et hein, ça arrive. Hein. Donc, euh, on peut vite fait aller comme ça chercher des euh, refermer des ordres et chercher des, des niveaux de liquidité en un coup de mèche pour faire flipper tout le monde. Et, et, et c'est potentiellement ce qui est possible, surtout quand on accumule comme ça depuis depuis un moment là. Comme je disais, depuis début d'été là. Voilà. Ah, ouais, il y a Florian. Donc, Florian, alors on va basculer sur. S'il n'y a pas de questions, je vais basculer sur la, la question de Florian qui m'a. Qui, qui est venu me voir en MP. Est-ce que vous avez des questions, les gars Pas de questions pour un rapport... Ouais, c'est bon. C'est clair parce que personne ne dit rien. Après, dites-moi-le si vous n'avez rien compris, si vous me dites putain, Bruno, j'ai rien pité à ton truc là, c'est du chinois. Vous savez qu'il faut... faut me le dire. Hein. Euh, florian est venu me voir en, en, en me demandant euh, bon entre autres si euh, il me dit j'ai un capital je voudrais euh, je voudrais acheter euh, me former dans le trading tout ça est ce qu'en gros bon me demandait si, si j'achète ma formation blablabla, donc ça je lui ai répondu la question qui qui, qui m'a un petit peu interpellé je remets une couche sur le fait de ne pas faire les google les gars c'est que il m'a Florian, tu m'arrêtes, c'est une bêtise, mais tu m'as bien dit donc tu voulais utiliser euh, le levier. D'accord Pour rappel, le levier n'est pas un moyen pour augmenter virtuellement son portefeuille. À savoir, j'ai 100 euros, je veux miser sur le, le long du BTC là, je place 100 euros, je fais un levier x10, je mise avec 1000 euros. Non, 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 c'est pas comme ça. Le levier, vous pouvez évidemment le faire à vos risques et périls, mais le levier, ça a été fait pour respecter le sizing, la taille de sa position, d'accord Que vous, vous, vous calculez avec ce, cet indicateur-là de, de TradingView qui est super bien fait. Et qui va vous donner le nombre de... Le nombre de quantités de jetons à acheter. Donc vous remplissez après les paramètres, tout ça. Euh, voilà, vous remplissez les paramètres. Votre... Euh, quel est votre capital global, le pourcentage que vous mettez, là où vous comptez rentrer, votre stop loss, là où vous comptez faire un take profit. Et il va automatiquement vous calculer en disant, ben je ne sais pas, tu dois acheter, je dis un chiffre au hasard, tu dois acheter 20 unités du jeton, d'accord, pour pouvoir respecter ton trade. Donc, quand je dis 20 unités, parce que ça dépend du cours en cours du jeton sur lequel vous voulez trader. Donc, euh, je ne sais pas, je fais un exemple tout, tout bête, hein, voilà, si... Euh, si vous faites, vous avez, euh, il vous dit, que vous devez acheter 20 unités d'un cours euh, et le cours, votre point d'entrée est à 1 euro, il vous faut 20 euros pour entrer. Si jamais vous n'avez que 10 euros, vous mettez un levier x2. Là, c'est bon. C'est comme ça qu'on fait un levier. D'accord Parce que vous respectez votre position. Vous prenez juste le levier pour respecter votre position. Vous ne prenez pas de levier pour augmenter artificiellement le trade. C'est totalement différent. Donc, Florian, c'est ça la grosse diff qui est entre, euh, entre utiliser le levier. Comme il est fait à la base, parce qu'en fait, pas les, les, les brokers, ils ont fait quoi Ils ont juste dit, euh, pour que les mecs traillent de plus, on va leur faciliter la tâche en leur prêtant potentiellement de l'argent pour qu'ils puissent euh, faire correspondre leur euh, sizing de position. D'accord Et le revers de la médaille, l'effet qui se coule, c'est que bah, tu as ceux qui, celui qui a que 50 balles et qui veut jouer avec, euh, avec 10 fois plus et qui met un levier x 10. Voilà. Libre à vous de faire. Ça, c'est. On va dire, c'est réservé aux. aux... Ben, au plus expérimenté, quoi parce que du coup, c'est aussi risqué, parce que vos gains peuvent aller dans, le, dans un sens comme dans l'autre. Bon, si vous ne faites pas les, les Google, vous avez évidemment le... Euh, vous faites des, euh, comment ça des trades en futur euh, localisés, c'est-à-dire que ça ne met pas en, en, en jeu votre, votre portefeuille, hein. le reste de votre portefeuille. Vous mettez juste l'argent si vous voulez faire ça. Hein. Vous mettez juste uniquement l'argent euh, qui est dédié sur votre compte. Comme ça, quand vous faites liquider, ben, voilà, vous perdez que la somme qui a été mise au départ. Florian, est-ce que ça te... je sais pas si tu veux parler au micro ou si... et c'est pas pareil, c'est ça, Dimitri. Le boy chasseur et le mauvais chasseur. Ah, je t'entends. Je t'entends pas trop. Attends, je vais monter le son. Ah, je t'entends de loin. Je sais pas qui parle. Florian, ah putain, je t'entends. Je t'entends mal. Hop, vas-y. Ouais, ah, Merci beaucoup ah, pour, les infos, pour les infos en plus. Yes. Euh, du coup, c'est cool, cool d'avoir pensé à moi. Sur, sur ouais, ce normal. Oh, normal. Normal, t'inquiète. Donc euh, après, Merci parce qu'en gros, Florian me demandait s'il si bon fallait acheter si ma formation ou pas, fait pas fait et, et il, et il était et euh, content que, que je lui dise, bah, écoute, si si tu dans tel cas, tel cas, tel cas, tu l'achètes pas. Si c'est ce cas-là, tu peux l'acheter. Et puis au pire, tu es chez nos limites, donc tu demandes à te faire rembourser. Je sais pas bout de combien de temps, faut demander. Et puis voilà ah non, mais moi, après, bon, ouais, de, de mon côté voilà si', si je, comme je t'ai dit hein, si j'achète de la formation c'est que pas pour demander un remboursement derrière ouais. mais ouais. Euh, mais c'est vrai que comme je te disais moi j'ai toujours fait du hold en fait depuis depuis 2021 et mm -hmm. toujours pris mes gains et c'est vrai que je, je m'intéresse de plus en plus au trading c'était pour ça c'était pour ça que je, je te posais les questions mais du mm -hmm. coup euh, du coup j'ai eu mes réponses et je te remercie d'accord encore une fois pour ceux qui ouais, veulent je... euh, petit rappel tout bête hein, les concepts de la SMC je n'en parle pas dans ma formation hein. c'est pas un truc euh, voilà si jamais, euh, voilà, moi c'est euh, la formation pour, pour les débutants. Ça va vous, vous, vous déblayer le terrain. Vous allez euh, comprendre tous les tous les euh, pas tous les concepts. Parce que les concepts, il y en a mais là, mais une manière de faire avec, euh, avec des, des outils assez assez classiques, rien de mais du coup qui déblaye sacrément le, le terrain. Et après, libre à vous d'être bah, satisfait ou pas. Et puis, je sais pas moi, vous faites rembourser parce que ça vous plaît pas. Il y en a trois sur. Je sais pas combien qui sont fait rembourser. Et, et puis après, ou libre à vous d'aller voir ailleurs si vous préférez d'autres formations ou, ou d'autres gars que vous trouvez plus, plus judicieux parce que l'approche est, est mieux. Encore une fois, j'en ai rien à cirer, mais apprenez, ne faites pas n'importe quoi voilà, avec votre thune. En plus, elle est CPF, la tienne aussi euh, de formation, Bruno. Ouais, grave, clairement euh, ouais, ouais, Donc oui, en plus ça, pour le coup, c'est la ça pour le coup, c'est la l'argument la, marketing. Euh, avec les CPF, vous, vous, vous voilà, vous avancez pas, vous faites pas de thunes de votre poche. Euh, Faites-vous plaisir si vous pouvez. Et puis bon, enfin, dire, voilà, on n'est on est pas n'importe où, on n'est pas chez, euh, enfin c'est pas Wish quoi. Il euh, n'y a pas de souci pour euh, derrière. On sait que s'il y a un problème, on contacte quelqu'un, il y a quelqu'un au support, on a, on a réponse. Donc, euh, mais bon, je dis ça, mais de toute façon, ceux qui, les personnes qui sont là connaissent, euh, parce qu'à part Florian et ma, Maorizio, Maurizio que je crois pas. Il est où mon truc là? Hop. Après, après, je crois en quoi et toi. Ah François, j'ai un doute. En taux 13, je sais plus non plus. Bref. C'est vrai qu'on fait pas trop des lives souvent. Alors, pour ceux qui sont là, est-ce que vous voulez... Euh, parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression de pas raconter plus que ce que je dis dans les vidéos YouTube. Mais est-ce que ça vous plaît toujours qu'on fasse les lives comme ça, parce que vous pouvez poser vos questions. Mais en même temps, il y a pas tant de questions que ça. Donc, dites-moi. Parce que c'est vrai que de moi-même, vu quand je poste une vidéo par semaine, sans faire du contenu Netflix, je me dis bon euh, je sais pas quoi dire de plus. Donc dites-moi si, si, si ça vous va, si vous êtes demandeur ou pas. Ou, euh, ou je sais pas, on en fait une toutes les deux semaines ou toutes les semaines, c'est vrai que là en ce moment vu que c'est un peu... Euh, c'est un peu plat. Moi ça me dérange pas, je fais toujours ouais. avec plaisir, les gars, franchement, c'est pas un souci si je peux un peu aider. Moi, je t'avoue que je suis plus assidu sur les lives que sur les vidéos YouTube. <laughs> ouais. Mais après, euh, au vu de la tronche du marché, toutes les semaines, euh, ouais, on va peut-être se faire chier. Une fois, voilà. une fois tous les 15 jours, ou quand il y a un truc à dire, toujours pareil. Tu vois, genre, quand il n'y a rien à dire, je, vois, je dirais, euh, ouais, plus au, au je, killing, sais, tu vois, genre, je serais si tu un vois scalper. Je serais un scalper, on, on analyserait, on, on se foutrait dans les. Euh... On, est où, là on se foutrait. On se foutrait en une heure. Qu'est-ce qu'il y a à faire là Parce qu'il y a des choses à voir là. Encore une fois, penser fractalité du marché. Il y a des trucs à faire là. Regardez tous ces mouvements là. Ouais. Il y en avait des coups à jouer. Après, tu fais toujours pas de scalping. Tu es toujours pas trop branché ça de façon. Non. Et là, il y a un truc intéressant. Putain. Alors ça, il y en a à mon avis, ils ont dû rater leur entrée. Ah putain, tu vois là, c'est pas venu chercher là. Mais tout ça pour vous dire encore une fois que tous ces mouvements-là bruts, quand je parle de, de fermer les ordres, quand vous voyez des mouvements bruts comme ça, à un moment donné, forcément, ça va trop refermé, quoi. On, on laisse pas les ordres ouverts comme ça, là. Voilà. Vous voyez Vous voyez Là, tout ça, voilà. ça, tout ça, ça, blap, blap, ça a été retracé. Et ça, ici, là, ça sera refermé, là. Ça, c'est sûr. Ça, ça sera refermé, là. Ça va pas rester comme ça. Mais, ouais, je suis d'accord avec, euh, avec toi... Après, ça me prend pas. Voilà, on reste ensemble une heure. Quelques questions, tout ça. Ouais, ouais, l'avantage en les... plus, c'est que du ouais. coup euh, vu que il y... se passe pas grand chose et que mm -hmm. c'est un peu la déprime pour beaucoup de monde. Il y a mm -hmm. pas, du coup, il y a pas grand monde sur le live. Et ouais, ouais. Bah, c'est plus, plus simple d'avoir des quand on a des choses à dire, ceci. Ouais, Donc, c'est pas si mal. Yes, je trouve aussi. Ouais. Après, pour ma part, euh... <coughs> on entend. Hein. Ouais, François, on entend ouais, ouais, on entend. Ouais, on en entend. Ouais. Euh, pour ma part, c'est le, le premier live que j'assiste de Bruno. C'est juste par curiosité que je suis venu là. Et de toute façon, moi, je, je cherche toujours à apprendre des choses. Du coup, euh, moi, j'ai bien aimé pour l'instant. Euh, euh, alors, ça devait être peut-être un peu compliqué quand même pour quelqu'un qui est pour son premier live, je pense. Bah, c'est mon premier live avec toi, mais je traite depuis euh, février. Ah d'accord, oui, bon, ça euh, va alors. Tu je, oui. Je suis familier avec les concepts euh, et tout. Ouais. D'accord, alors est-ce que tu utilises. Alors tu trades comment toi Quelle est ta manière de trader Parce qu'il y en a tellement une meilleure que tu fais quoi Alors moi, perso, euh, mon trading plan, je m'appuie sur euh, trois choses principales qui est. Euh, moi, j'attends un, un début de rebond sur une zone de prix. Ouais. Donc euh, ça peut être. Euh, si c'est un rebond sur une zone de support, j'essaie je uh -huh. de me placer pour un bas et un rebond sur une zone de résistance, j'essaie de me placer pour un sell. Ah, ça, c'est. Euh, j'attends aussi. C'est dangereux aussi, ça. Euh... Bah je l'ai remarqué. Ouais. Vas-y continue, je te laisse parler pendant je te coupe. Vas-y. Euh, J'essaie aussi de regarder s'il n'y a pas une cassure de, de trendline euh, minimum en H1 ou en H4. Euh, euh, voilà et c'est. Je, je regarde aussi comment est le graph en daily pour voir un peu, euh, pour essayer de détecter la tendance et essayer de la suivre. Alors. Tiens, euh, moi, je me permets de te dire, là, ton dernier point est extrêmement bon parce qu'il faut garder, la, comme je disais, il faut garder la, la tendance de l'unité de temps supérieure. Donc, toujours prendre un petit peu de, de, de hauteur. Par contre, euh, trader et les supports et les résistances, c'est super dangereux parce que, justement, en plus, la, la, le marché s'amuse à défoncer euh, ce genre de trade, à savoir, euh, tu vas me dire, hein, toi, donc... Euh, On est en train d'arriver là, tu fais quoi C'est en train de faire ça là. Du, 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 du. Tu vois, tu vas faire quoi Tu veux faire ça bah alors, moi je, moi, je dirais, euh, vu que ça a déjà touché euh, deux fois la résistance, il y a peut-être un break possible. Donc perso, je vais un peu pour voir commencer à réagir. Mmh. Mais euh, ouais, c'est clair que là, c'est un peu trop prévisible le rebond à la baisse. Donc, euh, si c'est trop prévisible en général, c'est pigeux. C'est euh, bah, ouais. piégeux parce que euh, ça peut... Euh... <laughs> ouais, J'exagère, vraiment, on vient... Voilà, imaginons, ça, c'est ma position. Allez, paf, hop. Je te liquide. On m'y un peu, et après, on repart. Voilà. Et le cas, à chaque fois, le, le, le cas le plus... Moi, je me rappelle, j'étais à fond parce que je me dis, putain, est-ce qu'il y a un retournement C'est ici, là. À chaque fois, je vous, je vous en parle, je sais pas si vous vous rappelez, mais ici, là, on a un move. Bah ben alors là, comment, comment fumer tout le monde On a. Euh, alors attendez, je, où est-ce qu'on peut bien 5 jours peut-être. Merde, je suis perdu. Là, alors là, il y en a un ici. Viens, vas-y, viens dégommer. Là, là, paf, ici, dégomme tout le monde. Là, hop. Pff, voilà. On arrive. On commence à imprimer <laughs> des plus hauts. Tu dis ici, ça va faire ça. Eh ben non. Allez-vous au revoir merde, ça repart dans l'autre sens. On liquide et on continue comme tu disais sur ton troisième point très important. On continue la tendance euh, globale, globale de la time frame supérieure. Voilà. Donc attention à, à attention à ce, à, à, ces, à ce trading géométrique et graphique. Il voilà, faut, faut faire faut faire gaffe. C'est pour ça que euh, analyser ce qui se passe dans les timeframes inférieurs pour voir où est-ce que le, le marché euh, a des ordres fermés, où est-ce qu'il y a des order blocks, où est-ce qu'il y a de l'imbalance, c'est super intéressant. d'accord Encore une fois, là, on parle beaucoup de ça, mais il euh, y a d'autres manières, comme j'explique je l'expliquais dans, dans la formation, avec, les, euh, avec le momentum, avec vos, vos structures euh, euh, bullish et bearish. Voilà, avec d'autres indicateurs. Il y a manière évidemment aussi de faire quelque chose. Il y a une tonne de manière à faire. Le plus important en fait, j'allais dire, je, vais, je conclue là-dessus, c'est le backtesting que vous allez faire sur vos méthodes en fait. Voilà. Si ça marche, que si le mec pour lui il est il est il est profitable avec Ichimoku, ben, tant mieux. Mais s'il est si tu es profitable en faisant des vagues d'Elliott, tant mieux. Si tu es profitable en traçant des trend lines de partout euh, et comme on peut voir des fois, euh, tant mieux. Voilà. Mais il y a un travail qui est le plus chiant, hein. c'est backtester, backtester, backtester et se servir à outrance de la fonction replay qui est primordiale. Voilà, de prendre des courbes. Vous prenez une courbe, vous, vous foutez à plat. Voilà. Bon, là, il faut avoir la version, euh, la version gratos. Hein. Vous vous mettez, je sais pas, en 8 heures, je me mets un endroit pour là, je ferme les yeux, je clique, bon, ça marche pas. Et puis après, je fais mes analyses et j'essaie de voir ce qui se passe. Euh, voilà. Et je backteste et vous faites ça à fond, à fond, à fond, à fond. À ça. ça, il faut en user, et en abuser. Il n'y a que comme ça qu'on qu se développe un trading profitable. Mais c'est chiant, c'est pénible à faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il euh, y a d'autres trucs. Non, 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 ok, toujours pas de... Ok, euh, bon, j'ai rien, euh, ouais. rien de plus à vous dire les gars. Oh. Pas de questions sur les, du coup, sur les autres, sur les altes là, du coup, non. Ça fait mille ans que j'ai pas regardé moi. Je... À part, euh, on m'a demandé là un peu euh... le GLD mort. Le truc est mort. Il se passe que dalle. Alors, pour les fans, pour les fans de le GLD, alors, moi, ça. Alors là, oh. Calme plat. Ouais, c'est à la cave, c'est bien. <laughs> le truc est à la cave. Alors là, pour le coup, ouais, c'est à la cave. Et encore une fois, quand tu regardes. le... Ça a méché ici. Ouais, c'est pas franchement là. Ça, est-ce que ça a touché le fond Moi, je suis en, je suis en train d'en accumuler tranquillement. Ouais. Tu fais ton petit, euh, toujours ton. C'était, tu fais dé début de mois, toi, c'est ça Ouais, tous les premiers du mois, euh, je continue de faire ça. Là, je, je trade plus du tout. Euh... Mmh. Je suis trop en mode. Là, je suis trop en mode en train de coder en fait. Donc, j'ai plus du tout le temps de m'intéresser. Ouais, bah te bah tu... mmh. Mais du coup, je fais mon. Dé... Du coup, voilà, je fais juste mon DCA mensuel là. Ouais et puis et puis voilà. C'est le sel là, j'ai vu euh, putain le Celsius qui, qui fait des qui fait des trucs du futur avec les annonces là, je sais pas ce il y, a. il y a quand même des ouais, quoi Celsius c'est le Celsius c'est un, un délire aussi parce a... que y a eu le truc de la faillite et tout ah, euh, Il y avait des quoi jouer, après il hein. y a eu un rachat je sais pas quoi enfin c'est le bordel. Paye ton petit euh, paye ton petit 200 là, euh, c'était combien là En dessous des 1€ Putain franchement euh... bon moi j'avais pas de pognon sur FTX mais voilà quoi. Bon, il y a des gros mouvements là, aujourd'hui ça moi, c'est bon, comment ça s'appelle l'application, là, là je sais pas quoi, c'est à clignoter aussi dans tous les sens, là... Comment ça s'appelle euh, Coinstat là. Mais ouais. Là il y, y a beaucoup de volatilité, et donc il y a des des petits mouvements à faire, euh, des petits mouvements à faire sympa là. Bon après il se passe pas mal d'annonces, apparemment ils veulent euh, re, 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 remettre la boîte sur pied, bon je sais pas, bref, sait rien. Ça m'arrangerait, moi, parce que je suis dans le mal avec, euh, avec ce connard-là. donc. Euh... Euh, là. Ok. Donc, pas de questions pour les Altes, non Vous voulez pas voir vos trucs euh... Non, enfin, moi. Euh, non, 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 non. Ok, ça roule. Okay, ça roule. Euh, euh, ouais. Euh, ouais. Ouais, Je, je, je me permets juste d'intervenir de, de, euh, juste pour. Euh, voilà, j'ai. Je sais pas si, si je peux le faire là. Euh, J'aimerais juste poser une question euh, pour savoir si quelqu'un aurait déjà entendu parler d'un projet euh, dans lequel euh, j'ai un petit peu regardé et qui, qui m'intéresse fortement. Ce serait le projet DESO, c'est un projet de Web3. Euh, J'en avais parlé un petit peu dans la conv et... Euh